Salut tout le monde et bienvenue sur Glow Up, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast qui va être très certainement très 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 long. Je m'en excuse d'avance parce que j'ai pas mal de choses à vous présenter. J'ai pas mal de trucs à vous dire et tout ça, donc du coup, bah forcément... Voilà, ça va être un petit peu long, donc prenez une tasse de thé, un thé froid, un thé chaud, comme vous voulez, un café, un chocolat chaud. Même si en ces périodes, c'est un peu compliqué, enfin, un chocolat chaud, je vois pas pourquoi. Après, si vous me regardez en hiver, allez-y. Bref, prenez de quoi vous rafistoler, enfin, pas vous rafistoler, mais comment on appelle ça? Une collation, enfin bref, prenez ce que vous voulez et on y va. Du coup, cette semaine, enfin, j'ai... En fait, là, ça fait... bientôt 15 jours que je suis en vacances, même oui. Et du coup, en fait, j'ai énormément cousu pendant mes vacances. D'ailleurs, je suis encore en vacances, mais là, je vais partir. Donc, je vais plus avoir accès à mon atelier couture, on va dire. Donc, bah, ça sera des vraies vacances. Voilà. Mais du coup, je me suis lancée un petit défi, un petit challenge où j'avais un certain nombre de pièces à faire en 15 jours. Déjà, je tenais à vous le dire, je l'ai pas réussi. J'ai vu beaucoup trop gros. Ouais, j'ai vu beaucoup trop de trucs et j'avais pas envie. En fait, j'avais envie de faire un challenge, un défi un peu. Voilà, j'avais 15 jours, un petit marathon couture, on va dire. Mais j'ai pas eu envie de coudre tous les jours non plus. J'ai vraiment fait à mon plaisir personnel, voilà. Quand j'avais envie de coudre, je le faisais. Et quand j'en avais pas envie, ben je le faisais pas. Tant pis, c'était pas grave. Je me suis pas non plus mis une pression de dingue pour ce challenge. Mais bon, j'ai quand même pas mal cousu, comme vous pouvez le voir derrière moi. En sachant qu'il y a même pas tout. Parce qu'il y en a... Il y a une création, ben, j'y arrive pas à remettre la main dessus. Donc du coup, ben, je vous ai pris le tissu pour vous montrer comment je l'ai fait. Mais bon, bref, c'est... Voilà. Avant de commencer, je vais vous présenter mon nouveau bébé. Donc vous voyez là, elle est cachée, mais bon, vous la voyez quand même. Je tenais à tous et toutes vous remercier pour vos nombreux commentaires dans mon dernier podcast où je vous demandais quelle était votre machine et quelle machine vous me conseillez pour environ un budget de 600 euros, on va dire. Et j'ai fini par craquer. J'ai eu plein de bons conseils et tout de votre part. Et j'ai craqué sur la Janon, alors attendez, il faut que je m'en souvienne, c'est la Janon 8077, je crois que je vous mettrai une photo de toute façon, jean and stretch, parce que voilà, c'est celle qui rentrait dans mon budget, qui, alors il y en avait d'autres, mais qui répondait à toutes les attentes que j'avais et qui apparemment passe facilement 8 épaisseurs de jean. Ce que je cherchais quand même, voilà, j'ai cherché une machine à coudre qui tenait les épaisseurs parce que bah, moi j'ai tendance à avoir pas mal d'épaisseurs dans mes coutures, on va dire. Donc voilà, je me suis dit, il faut que j'ai une machine qui tienne le coup. Et je voulais pas non plus une machine avec 36 000 pointes broderie de machin parce que je sais que je les utiliserai pas. Déjà là, je trouve qu'elle a énormément de points auxquels je ne toucherai jamais parce que moi j'utilise le point droit, le point de surjet, le point zigzag et voilà, et peut-être un ou deux points en plus, mais vraiment tout le reste je n'utilise pas, peut-être que j'utiliserai un jour, j'en sais rien, mais voilà, c'est surtout pour sa puissance et sa facilité de prise en main en fait que je l'ai prise. J'ai lu beaucoup d'articles sur celle-ci. D'ailleurs, un très bon sur le blog de Petit Patron. Voilà, ça m'a décidé. Et du coup, bah, je l'ai reçu bien avant mon anniversaire. Donc, j'étais toute contente. Je l'ai de suite essayé. J'ai de suite accroché. Et j'en suis toujours très contente jusqu'à maintenant. La preuve, j'arrête pas de coudre. Donc, elle en peut plus, la pauvre. Elle vient de commencer sa vie. Et elle est déjà surbookée. Mais bon. C'est pas grave, voilà, elle tient bien le coup, donc ça va. Et j'en suis très 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 contente. Voilà. Ensuite, un petit aparté, je vais vous présenter. Alors, je ne vais pas vous dire s'il est bien ou pas parce que je ne l'ai pas encore lu. Je viens de recevoir, en fait, il y a 2-3 jours, un bouquin, donc couture, créer ses patrons. Donc, comme le dit l'indique le titre, c'est pour créer ses propres patrons. Alors, par contre... Du peu que j'en ai regardé, il a l'air hyper compliqué à comprendre pour une débutante. Alors j'espère
finir par comprendre comment ça fonctionne. Parce que bah, j'aimerais bien créer mes propres patrons en fait. Parce qu'il y a beaucoup de patrons que je porte, mais qui ont des petits défauts par rapport à ma morphologie, bien sûr, comme n'importe quel. Comment dire ça? Tous les corps ne sont pas pareils, voilà, ma morphologie est différente de la vôtre, et du coup, les patrons sont pas taillés à sur mesure et il faut adapter à sa morphologie. Et c'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'il y a la conception, mais il y a aussi l'adaptation. Et je me suis dit, et les modifications, bien sûr, apportées. Et je me suis dit bah, que ça serait pas mal d'apprendre au moins à adapter les patrons que j'ai d'abord, faire quelques modifications, même si j'ai déjà commencé sur certains, mais bon, c'est des modifications minimes, vraiment minimes, quoi. Et du coup, et après, peut-être passer à la conception. Pour vraiment avoir des patrons idéaux pour moi et qui sait peut-être pour plus tard, ça peut être utile pour un avenir plus ou moins proche, plus ou moins lointain. Voilà. Donc je vais le lire et peut-être que je vous en reparlerai dans un prochain podcast pour vous dire à quoi ce que ça vaut. Peut-être que j'en achèterai d'autres aussi pour relier les informations et voilà. Et puis en gros, c'est quelque chose qui m'intéresse de faire du patronage. Ça m'intéresse depuis le début, de toute façon. Donc voilà. Donc on va commencer avec les coutures. Donc j'ai réalisé là. Alors on va en parler de ce patron. J'ai fait. Alors j'ai tous mes patrons là en fait et j'ai pas envie de les sortir. Mais en gros j'ai réalisé je vous avais dit que je voulais réaliser dans mon lin viscose bleu, bleu ciel comme ça, la Solia. Dress de fibre mousse, sauf que quand j'ai assemblé le patron, je me suis rendu compte que Romper, j'avais pas compris ce que c'était. Ça n'était pas une robe, c'était une combinaison. Et là j'ai fait ah, j'ai dit bon, et ben ça a été mes premières modifications. J'ai transformé cette combinaison en robe. Voilà. Donc alors par contre, le souci que j'ai, c'est que du coup la robe est très très courte, même pour moi qui suis petite, elle est très très courte. Enfin, je trouve, en gros, je peux pas me pencher sans qu'on voit mon derrière. Donc, je pense la porter avec des bas ou un shorty en dessous. Enfin, voilà, bah, je vais pas la porter comme ça, on va dire. Mais en attendant, elle est très très jolie. Donc, je vais vous la montrer comme ça, même si je vais aussi vous la montrer portée. Alors, je suis désolée, elle est pas repassée. J'ai pas encore, j'ai eu la flemme. Clairement, j'ai eu la flemme. Elle a plein de fils qui dépassent par contre, ça c'est très très chiant par rapport à. Il y a mon coucou qui. Elle a beaucoup de fils qui dépassent, hein. Le lin viscose c'est une horreur pour ça. Pas grave, je mettrai après. Mais ouais, c'est. Elle est très belle, j'en suis très contente. J'ai réussi à faire. Non mais. Il y a des fils partout! J'en peux plus. Je vais passer ma vidéo à faire ça. Hop, quitch, quitch, quitch. Switch, switch. Voilà. Alors, du coup, donc elle est très jolie. J'ai réussi à faire à peu près comme il faut le zip invisible. Je vais vous montrer. Et ça, c'était sur mon ancienne. Je crois que c'était encore sur mon ancienne machine à coudre. J'en suis quasiment sûre. Mais bon, j'ai réussi, voilà, à faire quand même. Il est un peu visible, mais honnêtement, faut vraiment avoir l'œil dessus. Et honnêtement, je m'en fiche. C'était mon deuxième zip invisible. J'assume. J'assume qu'il n'est pas parfait. Du coup, voilà. Donc, les manches un peu ballon. Là, avec un petit poignet. Enfin, poignet, c'est pas au poignet. Ça arrive, elle arrive à peu près là. Ouais, à peu près là. Voilà. Le devant. Alors, j'ai dû. Raccroché ici. Normalement là c'est complètement ouvert, mais on voyait tout. Clairement c'était, on voyait toute ma poitrine, donc j'ai dit non non non, clairement c'est pas, je veux pas la porter comme ça. Et voilà. Et pour le bas du coup, bah, j'ai suivi un tuto sur YouTube hein, et j'ai coupé l'entrejambe qui était voilà, et du coup ça fait une robe tout ce qu'il y a de plus classique avec une jolie ceinture, voilà. Elle est jolie, il n'y a pas de souci. De toute façon, je vous mets des photos portées, hein. Mais elle est sympa, elle reste sympa quand même. Alors, elle sera pas à repasser, mais bon, pas grave. Voilà, hop, pour la première cousette. Ah, d'ailleurs, on m'a demandé si je pouvais dire
quel niveau ont les patrons que je réalise les cousettes? Honnêtement, celle-là, je dirais intermédiaire, débutante, vraiment aguerrie. Genre, moi, j'en ai chié, j'ai mis 3-4 jours avant de la faire, pour la faire, parce que bah, j'en ai chié sur certaines parties, clairement. Et on me demande de la refaire, pas tout de suite. Voilà, pas tout de suite. Clairement, j'attendrai un peu avant d'avoir. Voilà, d'avoir plus d'expérience, on va dire. Clairement, c'est ça, d'avoir plus d'expérience. Et voilà, donc je dirais niveau intermédiaire, débutant aguerri, quoi. Vraiment, débutant qui en a envie, on va dire. Mais ouais, c'est un nom intermédiaire, je pense que vous pouvez gérer, hein. Je pense que vous pouvez gérer facilement. Voilà. Voilà. Tac. Ensuite, je vais vous montrer des cousettes. Je reviens que j'ai réalisé. Voilà, donc ce sont trois cousettes que j'ai réalisées, mais elles ne sont pas réalisées pour moi. Elles sont réalisées pour une de mes collègues. Donc j'en profite, je les ai encore, donc je vais vous les montrer. Donc j'ai réalisé des tops Ségur. Voilà, tout simple. Pour une de mes collègues, donc il y en a un en satinette de Driesenstoffen. Non, de Benitex, c'est après que c'est. Mais non, c'est même pas de Driesenstoffen, après c'est Old Tissue. Bref, je dis des conneries. Donc de Benitex, voilà, voilà, très très joli. Ensuite, j'en ai fait un tout blanc, classique. Elle voulait un tout blanc classique. Et elle en voulait un noir avec un peu de dentelle. Alors du coup, j'ai rajouté de la dentelle sur le bord. Voilà, tout noir, tout classique. Alors, et c'est là que je me rends compte en fait que le Top Ségur, excusez-moi du terme, mais il est fait pour les femmes fines. Alors, je m'explique parce que vous allez tout de suite me dire, non mais pourquoi? Pourquoi tu dis ça et tout? Parce que, en gros, j'ai déjà réalisé le Top Ségur pour moi. Et je l'avais réalisé dans un scuba, donc dans un tissu un peu stretch, alors que normalement, il faut un tissu dit chaîne et trame, voilà, sans stretch, donc de la viscose, enfin, des tissus un peu comme ça. Et donc, moi, une fois que je l'avais réalisé dans mon scuba, en test un petit peu, en toile, on va dire, toile totalement portable, et eh ben je m'étais dit, oh ouais, il est carrément joli, il me va bien, il me tient bien, machin, maninana. Et je vais vous montrer, j'en ai réalisé d'autres en viscose, et il se trouve que ils ne vont pas à une personne forte. Enfin, ça baille de tous les côtés en fait. Il y a plein d'embuts de tissus. Alors que sur mon scuba, j'ai pas eu ça en fait. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est la matière qui convient pas. Parce que, ouais, il y a un souci en fait au niveau de la. Surtout au niveau de la poitrine, au niveau du ventre et tout, ça va. Mais niveau poitrine, il y a clairement un souci entre l'amphore, enfin la parementure, qui est plus serrée. Du coup, ça plaque carrément votre poitrine comme ça quand vous avez des gros seins. Bon. Voilà, encore ça, tu te dis, bon, bah, il faut que je fasse un peu plus large, une taille au-dessus et tout. Ok, c'est pas grave. Mais du coup, eh bien, ça baille là. Mais ça baille. Quand je vous dis que ça baille, ça baille. Alors, j'ai essayé de reprendre sur je vais vous montrer sur un de mes hauts. Mais du coup, le t-shirt, enfin, le top devient trop petit. Donc, bah, je suis un peu bloquée parce qu'en plus, j'en ai coupé plein. Ça me fait chier parce que je sais pas comment le reprendre. Mais bon. Bref, voilà, donc là, elle, ça lui va, c'est très bien, la coupe lui va très bien. Et c'est pour ça, et elle est toute fine, parce que là, et encore, que j'ai dû faire quand même du 42-44, j'ai dû faire une petite truc. Parce que, bah, elle a quand même un peu de poitrine, et désolée, hein, voilà, je le dis en plein de vidéos, mais bon, voilà. Elle a un peu de poitrine, et du coup, au niveau de la poitrine, elle me disait, elle aussi, qu'elle était serrée. Donc, j'ai agrandi un tout petit peu le patron pour elle. Mais ouais, c'est pas fait. Par contre, au niveau de l'ampleur, enfin, elle n'a pas d'embut, elle. Donc voilà. Donc je pense que ce n'est pas un patron.
Moi, ce que vous réalisez, il faudra que je refasse le test. Je pense que je referai le test, je le referai dans un jersey un peu viscose ou quoi. Et je referai le test. Si j'ai pas d'embut, c'est que voilà, c'est que vraiment pour les personnes à forte poitrine, il faudra que le faire en tissu maille. Et voilà, et je verrai si je peux régler le problème de l'embut sur pas mes autres. Ça me fait chier parce que ils sont très jolis et ça m'embête. Voilà. Du coup, passons, on reviendra sur le top Ségur après. J'ai réalisé mon maillot de bain, j'en suis trop contente. Il est trop beau, donc je vais vous présenter d'abord le haut puis le bas. Donc, pour le haut, je le montre à l'envers, enfin non pas totalement à l'envers puisque moi je le porte comme ça, mais... Donc voilà, c'est le haut Monroe de Eclipse. Alors, soit c'est Eclipse Lingerie Studio, soit c'est Eclipse Studio Lingerie. Je vous le mets quelque part, voilà. Vous l'aurez de toute façon en barre d'infos. Et du coup, c'est un maillot de bain triangle, normalement. Mais vous pouvez le porter un peu comme vous voulez. En fait, il a des dizaines de façons de porter ce maillot de bain. Moi, je le porte que d'une seule façon. Parce que, étant donné que, bah, je vais le redire, j'ai une forte poitrine, il y a des façons qui ne me vont pas. Il y a des façons de porter le maillot qui ne me vont pas. Et il y en a une qui me va. Et ça tombe très bien parce que c'est comme ça que je voulais le porter. Donc, en gros, moi, je le porte ou donc je le tiens, je le mets. De toute façon, je vous mettrai des photos. Je le mets et je l'accroche comme ça. Et en fait, je fais un premier nœud qui va faire un rond ici. Et après, je l'accroche au niveau de mon cou. Et moi, j'ai fait une petite bretelle que j'ai vue sur Instagram. C'était Clo. Je vous mettrai l'Instagram là où je l'ai vue parce que je ne saurais pas. Non, ça me reviendra. Clotilde, un truc comme ça. Et en gros, elle avait tressé des bandes de tissu. Et du coup, j'ai fait pareil. J'ai tressé les bandes de tissu. Et ça fait un petit effet tressage. Ça fait un peu joli, je trouve. Voilà. Et donc, bah là, pour ce haut de maillot de bain, clairement, débutant, vous pouvez y aller, hein. C'est tout simple. Vous apprenez juste à faire une coulisse. Voilà, tout simple, hein. Vous utiliserez un peu de laminette. En soi, coup de la laminette, c'est pas vraiment le plus compliqué. Non, honnêtement, j'en ai pas chié du tout. Je l'ai fait hyper rapidement. En plus, ça m'a même étonnée. Je me suis dit, mais j'ai loupé une étape. Il y a quelque chose qui va pas. Parce que je vous jure, j'ai dû le faire en une heure et demie, grand max, quoi. Vraiment, tranquille, quoi. Tranquille. Et il est vraiment, vraiment très joli. Et le tissu? C'est le tissu Travel Jersey, je crois, de Dries Enstoffen. Voilà, que je vous avais présenté dans une ancienne, dans une, un haul précédent. Voilà. Et du coup, bah, j'ai fait un bas assorti, bien évidemment. Sauf que bah, j'ai pris un autre patron. C'est le patron de la culotte Oasis, qui est de Étoffe Malicieuse. Voilà. Alors, elle a différentes versions. Moi, j'ai fait la version avec les plis sur les... avec les fronces, en fait, un peu sur les côtés. Et c'est une culotte taille haute, ce que j'adore. Parce que ça cache mon petit bidou. Clairement, mon gros bidou, même. Ça le cache et je me sens carrément plus à l'aise dedans. Et pour la première fois, je pense, depuis longtemps, depuis même très, très, très longtemps, je me suis sentie à l'aise en bikini. Parce que c'est un bikini. Je me suis sentie à l'aise en bikini à la piscine devant mes proches. Alors que avant, même si des fois je portais un bikini parce que c'est ce que j'avais, j'étais pas à l'aise. Je me cachais avec ma serviette. Enfin voilà, j'étais pas à l'aise du tout. Alors que là, j'étais tranquille. Je voyais pas mon bidou. Voilà, j'étais tranquille. Vraiment, j'étais carrément à l'aise dedans. Elle tient super bien, que ce soit à la nage ou quoi. Tout tient bien, donc voilà, elle est sublime. Le dos est tranquille, enfin, est simple, hein, voilà. Le niveau, je dirais, ouais, débutant qui... Non, elle est simple quand même, mais faut être un peu concentré, on va dire, pour la réaliser. Voilà, on va dire ça comme ça parce qu'on peut vite se mélanger dans les pièces. Vite pas comprendre. Moi, j'ai un peu galéré sur la compréhension de l'application de ça là. Elle est doublée à l'avant. L'avant est doublé, mais pas l'arrière. Voilà. Donc moi, je l'ai doublée avec le même tissu parce qu'en fait, Étoffe Malicieuse avait mis en gros que
Si le tissu que vous utilisiez était assez épais, vous pouviez vous passer de doublure. C'est une doublure un peu spéciale. Vous pouviez vous en passer. Il suffira juste de doubler avec le tissu que vous avez. Et en effet, j'ai eu aucun problème de transparence, aucun problème de quoi que ce soit d'ailleurs. Donc voilà, elle a très bien tenu. Vous voyez, l'élastique est très bien là. Les coutures sont plutôt jolies. Voilà, j'en étais très contente et j'ai eu beaucoup de compliments lors de mon... Parce qu'en fait, on a eu un repas et quand j'ai sorti mon maillot de bain, moi j'étais toute fière et tout, et j'en avais parlé à ma belle-mère, j'avais dit, bah, regardez, j'ai fait mon maillot de bain parce que voilà, elle me suit un petit peu dans mes coutures et tout ça, elle aime bien, donc du coup on en discute un petit peu. Et en fait, il y avait une de ses tantes qui est couturière en fait, qui était là, et elle lui a dit, ah, regarde, ma belle-fille a fait ça et tout. Et quand elle a vu, elle a dit, ah bon, c'est vraiment toi qui l'as fait. Et du coup, bah moi, oui, c'est moi qui l'ai fait. Et du coup, elle a regardé. Alors, elle a vu des petits défauts, évidemment, parce qu'elle, ça a été son métier pendant des années. Bah, elle est à la retraite maintenant, mais ça a été son métier. Donc, elle a vu quelques défauts, mais elle m'a dit, honnêtement, pour quelqu'un qui coud depuis pas si longtemps que ça, bah chapeau, parce qu'il est joli, il est portable, il est complètement joli. Et il y en a beaucoup lors du repas qui n'ont pas cru que c'était qui aurait. Enfin, ils m'ont dit, on aurait cru que tu l'avais acheté en magasin et que tu l'avais pas fait toi-même, quoi. C'était pas évident à. Enfin voilà, pas que ce soit. Comment dire, j'en perds mes mots. En gros, ça se voit pas que c'est vraiment du fait main, quoi. Enfin, voilà. On voit pas trop de défauts, donc c'est potentiellement achable en magasin, quoi. Voilà. Ensuite, donc je vais vous parler d'un de mes bébés de cette couture de ce podcast. Donc je me suis fait une tenue spéciale pour mon anniversaire. C'est une Sirocco dans un jersey anthracite, un jersey de viscose anthracite. Et je l'adore, je l'adore, je l'adore. Elle est trop belle, elle brille de mille feux. Je l'ai portée pour mon anniversaire. On avait un repas, voilà, on avait fait un petit resto avec des amis. Je l'ai portée pour mon anniversaire. J'en ai eu que des compliments. En plus, j'ai fait un masque dans le même tissu. Vous savez, le revêtement de devant. J'ai mis ce tissu-là, donc j'étais parfaitement raccord entre mon masque et ma tenue. J'étais trop, trop contente. J'étais trop refaite. Mais bon, ça m'a fait bien rire. Ça a bien fait à mes copains aussi. J'ai dit, bah voilà. Hein. J'ai dit, je suis toute de paillettes aujourd'hui. C'est mon anniversaire, j'ai 25 ans, j'ai le droit d'être toute de paillettes. Et voilà, le seul truc, c'est que j'ai fait ma taille classique. Et en fait, je n'ai pas calculé que ce jersey de viscose avait plus d'élasticité que d'habitude que j'utilise. Du coup, le haut est un peu large. Un peu large. Mais bon, c'est pas grave, c'est portable quand même. Je fais juste attention au devant pour pas qu'on voie toute ma poitrine. Mais voilà, j'en suis quand même très très contente. Je la porte dès qu'elle est propre. J'adore la porter au final, même quand c'est pas une soirée, je m'en fous, je la porte. J'ai le droit d'avoir des paillettes dans ma vie, hein. Et voilà, donc j'en suis plutôt contente. La Sirocco, clairement, ouais, débutante, ça peut gérer. Moi, c'est la première. La Sirocco, c'est la première cousette que j'ai faite. J'en ai chié la première fois. Maintenant, je connais le patron. J'en chie plus en fait. C'est vraiment. Lancez-vous, vraiment lancez-vous. Même si vous faites qu'une toile dans un petit tissu, genre Dressenstoffen, à 4 euros, faites-le. Comme ça, moi, vous l'avez fait. Vous voyez où sont vos difficultés. Moi, je sais que je galère sur la bande d'encolure, par exemple. Et bien, du coup, quand j'arrive à cette étape-là, eh ben, je prends un peu plus de temps, mais je le passe maintenant. Maintenant, je la passe même sans difficulté, hein, parce que c'est quand même la troisième que je couds. Oui, troisième que je couds. Donc maintenant, je la passe sans trop de difficultés. Et puis voilà, de toute façon, un patron, faut pas hésiter en fait. Même si vous êtes débutante et que vous dites, ah, mais le patron, il dit que c'est pour les intermédiaires. Voilà. Allez-y. Allez-y, vous avez rien à perdre. Alors, vous perdez peut-être un peu de tissu, un peu de truc. Mais à ce moment-là, achetez des tissus vraiment. Que dalle en promo, vous en avez des fois à 2-3 euros, même pas. Prenez-en une grande quantité et faites des toiles. Comme ça, au moins, moi, c'est ce que je fais maintenant. Donc, vous allez voir, j'ai fait des toiles de certains. Bah, voilà, quoi, c'est. Voilà. Ça ne vous coûte pas grand-chose, on va dire. Et ça évite d'abîmer un tissu que vous aimez et que. Voilà. Ensuite.
D'ailleurs, je ne vous ai pas dit la Sirocco. Est-ce qu'on a besoin de présenter encore qui est-ce qui l'a fait? C'est Dirindo, bien évidemment. Et le tissu, il vient de chez Benitex. Ils en ont encore, normalement. Normalement. Ensuite, je me suis fait alors un ensemble Anna. Donc, de petits patrons dans un jersey comme celui-ci que je vous avais présenté aussi dans un ancien haul. C'est un jersey de Driessenstofen. Oui, c'est un jersey de Driessenstofen. Et du coup, comme d'habitude, le haut, comme la dernière fois, le haut est très bien. Alors, j'ai juste un souci au niveau des bretelles parce qu'en fait, du coup, je l'ai fait dans le. Donc, ça bouing, bouing, bouing un petit peu. Mais bon, c'est pour dormir, donc je m'en fous complètement. C'est mon chéri qui est content, hein, on est d'accord. Et voilà, le haut est très, très joli, comme d'habitude. Malheureusement, encore une fois, je me suis fait avoir sur le bas parce que j'en avais plus assez de longueur pour couper de bas. Donc, ce que j'ai fait pour avoir j'avais encore quand même pas mal de tissu, ça m'embêtait de le jeter. Et je savais que je voulais en faire qu'un pyjama de ce tissu. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour avoir un bas quand même? Voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans ma garde-robe, j'ai pris un de mes shorts de pyjama et je me suis dit, écoute, on va tenter de reproduire un peu le pyjama. Le bas de pyjama, et comment vous dire que c'est parti dans une. À fou rire quand je l'ai fini de le coudre, j'étais là, mais c'est pas possible. J'ai fait une connerie quelque part, je le sais, puis je sais en plus à peu près où c'est, je pense que c'est à la fourche. J'en suis même quasiment sûre que c'est à la fourche. En fait, la fourche, elle a disparu chez moi, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai bien suivi le patron, enfin, j'ai bien suivi la forme du short, hein. Alors, c'est un short court de base, mais alors là, vous allez voir. Voilà à quoi. J'en rigole moi-même. Voilà à quoi ressemble mon short. Voilà, en gros, c'est une culotte, quoi. En gros, voilà, c'est une culotte pour dormir. Une culotte très très large pour dormir. Ah, et en fait, ouais, il y a la fourche qui a complètement disparu, hein, on est d'accord. Il n'y a plus de fourche. Mais bon, voilà, ça c'est carrément portable, je l'ai déjà porté, je suis carrément à l'aise dedans. Mon chéri en est bien content aussi parce qu'on voit toutes mes fesses, donc il est bien content. Je suis désolée, hein, mais c'est la vérité. Voilà, c'est confortable, hein, ça reste confortable. Et puis voilà, on en a bien rigolé. Et voilà, donc mon petit ensemble de pyjama. Anna version couche-culotte, on va dire ça. Voilà, ensuite j'en ai fait un deuxième, mais cette fois j'avais assez de tissu pour faire le bas. Et oui, messieurs, dames, j'avais pris un tissu qu'au final, en fait je voulais le faire en robe et au final, je me le sentais pas. Je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que si tu le fais en robe, est-ce que tu vas vraiment le porter? Et au final, non. Je savais que j'allais pas le porter, donc j'ai dit, écoute, il est doux, c'est un jersey, fais-le en Anna, comme ça au moins, t'es sûr de le porter. Et en effet, en Anna, je l'adore, mais je l'adore. Il est très très beau, regardez ça, voilà. Il est très beau, hein, c'est honnêtement ce haut de pyjama en jersey, là, j'en suis vraiment très très fan. Au final, je crois que plus le temps passe, en fait, plus je couds. Et plus je me rends compte que les tissus que j'aime coudre, c'est les jerseys. Voilà. Dès que je couds un tissu qui n'a pas un minimum d'extensibilité, je me fais chier à tout faire tenir, à tout. À chaque fois, il y a une embrouille, à chaque fois, il y a un souci, à chaque fois, il y a un problème. Soit ça ne va pas, soit c'est trop petit, soit ça tient pas, soit ça baille. Il y a toujours un problème, alors qu'avec mes tissus jerseys, j'ai jamais de soucis. Quasiment. Des fois le tissu est un peu trop large et du coup ça agrandit un peu. Mais dans tous mes tissus, dans tous mes cousettes que j'ai fait en jersey, je les porte tous. Tous, sans exception. Alors que certains tissus, vous allez voir là, certains hauts en viscose, je les ai cousus, mais je suis pas certaine de pouvoir les porter. Voilà, parce que ça ne rend pas exactement comme je pense. Enfin, comme je voyais. Donc voilà, donc je reviens sur le patron Anna. Donc là, Anna débutant sans aucun souci, petit patron. Là, c'est toujours un jersey de Driessenstofen. Voilà. Et du coup, le haut, vous savez ce que j'en pense. Maintenant, je vais parler du bas. Parce que le bas, pour moi, il est bien, mais il y a un souci. Vous allez vite vous en rendre compte. Après, honnêtement, pour un pyjama, ça ne me dérange pas. Je vous le dis honnêtement. Donc voilà le bas.
qu'il est très joli. Vous allez me dire, bah, ça, bah, tout à fait correct. Oui, mais moi j'ai un souci. De toute façon, je l'ai sur quasiment tous mes shorts, ce souci. Tous les shorts que je peux porter, même les shorts que je commande sur internet ou quoi, j'ai toujours ce souci. Même les pantalons, hein, c'est pareil. La fourche. La fourche est trop large. Enfin, la fourche est trop basse en fait. J'ai ça entre bah, la partie, voilà, mon haut enfin, bref, vous m'avez compris. Et la fourche. Donc en gros, à chaque fois, bah là, moi, ça baille complètement, quoi. Ça baille complètement. Alors pour un pyjama, c'est pas grave. Je dis pas, là, honnêtement, je m'en fous. Hein, celui-là, ça m'empêche pas de le porter. Par contre, sur mes autres shorts, ça me fait légèrement chier. Voilà, je vous le dis. Ça m'embête parce que bah, j'ai l'impression qu'on voit tout. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression d'avoir un courant d'air, on va dire. Donc, bah, au final, je ne porte pas de short à cause de ça. Bref. Sinon, bah, il est très bien. Un peu bizarre à la découpe, moi j'ai trouvé, parce qu'en fait, au lieu d'avoir un dos et un devant, bah, vous avez le dos et le devant sur une partie, et vous devez couper cette partie en deux pour les relier au milieu. Voilà, en gros, voilà, c'est le seul truc un peu particulier, mais après, vraiment, il secoue les doigts dans le nez, hein. Vraiment les doigts dans le nez, tranquille, hein, pas de souci. Vraiment, il y a aucun problème, voilà, il est très confortable, très beau, et j'en suis très contente. Et maintenant, je sais qu'il me faut minimum 2,50 m, je crois, ou 3 mètres, pour faire un... Faudrait que je revérifie ça. Mais je crois que c'est 3 mètres pour faire un... Non, 2,50 m. Bref, faut que j'aie quand même un certain niveau de métrage pour faire. Oui, parce que ça, pareil, on en parle du métrage. Quand on est grande taille, le métrage, les plans de coupe, ils servent à rien. Clairement, moi, la plupart de mes métrages, enfin, la plupart de mes patrons sont en 52. Quand je vois la coupe, le plan de coupe, quand j'essaye de le respecter. Mais comment ils font? Ça ne rentre pas, moi! Quand je dis ça ne rentre. Et pourtant, j'ai la lèse qu'il faut et tout, hein! Mais ça rentre pas, certaines pièces, hein! Parce qu'en 52, si vous le faites en 36, c'est comme ça. Si vous le faites en 52, c'est comme ça. Ça rentre pas pareil, hein! Voilà! Donc, du coup, bah, là, pareil, pour couper le short, qui est une pièce quand même conséquente, en 52, ça rentrait pile poil! C'est bon, ça passe. Mais des fois, et vous allez voir que j'ai même le souci, je vous en parlerai après, avec une robe. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà que j'ai eu un problème avec la découpe d'une robe. Et voilà. Du coup, alors, on va revenir sur les tops Ségur. Donc, comme je vous disais, voilà. Donc, là, j'avais coupé un top Ségur dans cette viscose de Dries Van Stoffen. Et clairement, j'ai eu un souci au niveau des pinces. Pour celui-là. Pourtant, j'ai fait les pinces à la bonne taille, comme il fallait. Bref, elles arrivent là où elles sont censées arriver. Je suis en train de chercher la pince. Elle est là. Ouais, elle arrive à là où elle devrait être censée. Sauf que bah, ça me fait deux grosses. Bah, vous allez voir, de toute façon, sur les photos, ça me, enfin, sur les vidéos, ça me fait de bec, en fait, là, à ce niveau-là. Donc là, je me suis dit, bon, bah, faut peut-être que je reprenne juste la pince. J'ai eu la flemme, clairement. Je vous le dis, j'ai eu la flemme. Alors aussi, est-ce que c'est mon changement? Mais après, j'avais besoin de faire ce changement-là. En gros, j'ai rallongé les parementures. En gros, au lieu de faire des parementures qui s'arrêtent juste sur le bord, j'ai fait une parementure qui s'arrête sous ma poitrine parce que bah, certains tissus sont très fins. Très transparent et j'avais besoin d'être rassurée et de me dire au moins ma poitrine n'est pas visible voilà à l'œil nu. Donc du coup j'ai rallongé, je vais essayer de vous montrer, je vais vous montrer sur le derrière. J'ai rallongé en fait, voyez, le devant et le derrière en fait je les ai rallongés pour dire que ça couvre mon soutien-gorge et ma poitrine quoi. Voilà. Alors, est-ce que c'est ça qui fait que j'ai beaucoup d'embûches? Mais ça m'étonnerait parce que de ce que des personnes qui m'entourent, beaucoup ont eu ce souci-là avec le top Ségur. Voilà. Donc, bah, j'ai fait celui-là. J'en avais fait un aussi dans ce tissu-là. Voilà. Vous vous souvenez aussi de Dries Van Stoffen, de viscose. Sauf que bah, celui-là, j'arrive pas à remettre la main dessus. Je ne sais pas où il est passé.
doit être au sale, mais que je l'ai, bon, je l'ai pas retrouvé. Voilà, donc bah, j'essaierai de le retrouver. Hein, parce que je l'aimais beaucoup quand même celui-là. C'est vrai que comparé à celui-là, j'avais agrandi les pinces du coup, donc il rendait un petit peu mieux. Il y avait toujours cet embout-là, mais bon. Voilà, j'aimais quand même l'effet que ça donnait, donc j'aimais beaucoup le porter. Mais celui-là, clairement, j'ai pas envie de le reprendre en fait. Ça m'a blasé en fait. Je crois que c'est ça en fait, ça m'a blasé du Top Ségur. Ce qui est dommage, c'est un bâton que j'adore. Enfin, je le trouve très beau, honnêtement, c'est quasiment le petit top parfait quoi, mais bon. Ouais, je suis un peu chafouin du coup. Alors du coup, j'en ai plein en route, en viscose, pareil. Bah, je vais les faire, mais honnêtement, je sais pas si je vais les porter un jour quoi. Parce que bah il y a de l'embût et que ça m'intéresse pas quoi. Alors vraiment, ce que je trouve une solution, là j'avais essayé, je vous montre un en cours, j'en avais fait un tout noir, vous voyez, tout simple, hein. Et du coup je l'ai repris un peu sur les côtés, vous voyez, j'essaie de vous montrer. Là vous avez la première couture droite, et là j'ai essayé de le reprendre un petit peu, je vais essayer de le faire un petit peu sur le côté. Sauf que du coup en faisant ça, eh bien il est trop petit maintenant, donc il va falloir que je découpe. Heureusement j'ai pensé à ne pas couper cette partie. Mais il va falloir que je décousse tout et que je trouve une solution. Que je trouve une solution, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des solutions en commentaire. Parce que, bah, voilà. C'est bon. Et c'est aussi ça qui m'a donné l'idée de faire mes propres patrons. Parce que je me dis, si j'avais fait mon propre patron, bah, comme l'atelier de vie, elle a eu le même souci. Virginie, et du coup, elle a réussi à faire son propre bâton de petit top qu'elle appelle le top à la cool. Je suis là, trop bien! Enfin, moi, honnêtement, elle le vend, je l'achète. Hein. Je l'achète, il n'y a pas de souci. Mais comme elle l'a fait pour elle, il a ses mensurations et tout, donc bref. Voilà, et je me dis, bah ouais, j'aimerais bien faire pareil en fait, pouvoir faire des petits tops, des trucs très simples, hein. Pour le moment, enfin, je veux pas me lancer dans des trucs, mais rien que réaliser un petit top comme ça, ou pouvoir rattraper, savoir d'où vient le souci et pouvoir rattraper ça. Mais bon. Ensuite, je vais vous présenter une toile. Donc, celle-ci, c'est une toile que j'ai réalisée dans. Le coton stretch que j'avais acheté de Driesenstofen et que je m'attendais pas du tout à ça. Et je m'attendais à ce qu'il soit plus stretch, on va dire. Et en fait, bah voilà, je m'en suis dit, bah, un jour je l'utiliserai. Et au final, bah, voilà, je l'ai utilisé. J'ai réalisé. Alors, est-ce que c'est la jupe ça? Oui, c'est la jupe Havana. Voilà, ça c'est la jupe Havana de Cozy Little World. Très simple. Elle est gratuite sur son site. Donc, si vous voulez, je vous en prie, allez-y. Honnêtement, ouais, je pense que je la referai sans souci. Peut-être dans un tissu plus fluide, genre un lin viscose ou. Ouais, ou un. Peut-être pas un jersey, parce que ouais, le jersey va être embêtant, mais ouais, dans des lins viscoses, je pense que ça peut carrément se faire, ou des cotons un peu légers. Voilà. Ça peut se faire aussi, parce que celui-là est un coton assez épais. Mais en vrai, elle est totalement portable. Hein. Franchement, pour une toile. Enfin, elle est carrément portable, elle se noue un petit peu là. C'est peut-être le seul regret que j'ai, c'est que moi, bah, j'ai pas mal de ventre. Du coup, bah, quand je noue, j'ai vraiment très peu d'espace de ceinture, en fait. Je sais pas comment dire, mais pour faire le nœud, j'ai pas beaucoup de largeur, de longueur, pardon, pour faire le nœud. Voilà. Mais sinon, elle est très, 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 très bien, très portable. Moi, elle me fait un effet un peu bizarre sur les hanches, mais c'est parce que moi, j'ai des hanches très développées et des fesses plates. J'ai le cul en forme de cœur, en fait, si vous voyez. C'est-à-dire que j'ai les hanches très développées et ça fait un pic, voilà. Donc, du coup, bah, quand je la porte, ça fait cet effet de derrière. Vous voyez? Grosse poule. Attends, je vais vous montrer, vous allez le voir. Mais après, je m'en moque. Honnêtement, je l'aime beaucoup. J'adore ce genre de motif. Alors voilà, je me dis ça avec un petit top noir, par exemple. Ben voilà, vous voyez le petit top avec le petit top Ségur, par exemple, ça aurait été trop beau. Enfin, moi, honnêtement, un petit ensemble comme ça, je le porte tranquille, hein. Tranquille pour l'été, tranquille. Voilà, elle n'est pas du tout courte, ce que j'avais peur. Elle m'arrive un peu au-dessus du genou, si je me souviens bien. Même en dessous du genou.
ou un petit peu en dessous du genou. Voilà, après vous pouvez la raccourcir, vous pouvez l'agrandir si vous voulez, hein. Ça c'est à vous de voir. Mais ouais, pour une toile, j'en suis plutôt contente. Voilà. Et du coup, j'ai réalisé une deuxième toile dans ce tissu qui est le short, alors Tivoli, je crois. Trivoli ou Tivoli de Artisan. Parce qu'il y avait un code promo que l'une d'entre vous m'a donné, enfin, c'est sur la chaîne de Virginie encore, l'atelier de vie. Pardon. Je regardais son dernier podcast et elle présentait bien évidemment son short, son hack du short La Maison Victor, le short Summer. Et en fait, j'adore l'effet de son short. Il est trop beau. Son short est magnifique. Je lui demanderai si je peux vous mettre une photo de son short dans. Ou au pire, allez voir son dernier podcast. Vous allez voir, son short, ses shorts sont sublimes. Et j'étais là, j'aimerais bien trouver un patron qui ressemble à ton short. Et on m'a dit, bah, il y a le Tivoli d'Artisan, si tu veux. En ce moment, il est en promo gratuitement. Si tu mets Tivoli 10 voilà, dans ton panier, machin. Donc j'y suis allée, en effet, il était en promotion et tout. J'ai suivi le tuto et tout machin, j'ai fait une toile. Alors, par contre, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est. Ça doit être moi, mais quand j'ai ouvert le truc, j'ai pas trouvé de tableau de mesure. J'étais là, bah. Comment je suis censée trouver la bonne taille en fait? Il n'y a pas de tableau de mesure. Alors, c'est peut-être moi, hein, c'est sûr, même sûrement moi qui ne sais pas où il faut que je cherche. Mais bon, au-delà de ça, c'est pas très grave. Donc bah, j'ai dit, bah, je prends la taille 52, comme je prends d'habitude. Qu'est-ce que je prends d'habitude? Tcha! Et en fait, bah, la taille 52 est trois fois trop grande. Alors, pour le coup, ça fait beaucoup de bobos au cœur. Hein. Je me dis, j'ai pas perdu de poids, donc c'est pas ça. C'est juste qu'il taille extrêmement grand. Alors du coup, il est. Voilà, il ressemble à ça. Donc en gros, il y a des fronces derrière avec un élastique. Voilà. Devant, il y a quatre petits plis. Alors, je ne sais pas si on va bien les voir. Vous voyez, il y a des petits plis comme ça de chaque côté. Et il y a une ceinture. Et heureusement, une ceinture incrustée d'ailleurs. Ce que j'adore. Honnêtement, j'adore cet effet-là de ceinture incrustée. Honnêtement, alors c'est un short très long par contre. Il faut aimer les shorts longs. Pareil, les gens, s'il vous plaît. Quand vous faites des patrons taille 52, alors je comprends, c'est normal, je dis pas. Mais moi, je sais pas, je sais jamais en fait comment m'habiller parce que quand je prends, j'ai besoin d'un 52 au niveau de la taille d'habitude. Je vous explique, j'ai besoin d'un 52 au niveau de la taille parce que j'ai des hanches très très larges. Voilà. Sauf que j'ai des cuisses toutes petites. Et du coup, je me retrouve tout le temps à nager dans les cuisses. Clairement, c'est ça. Je nage littéralement dans les cuisses. Alors, celui-là, je dis non parce que celui-là, je nage dedans dans tous les cas. Et comme je disais, heureusement qu'il y a la ceinture parce que c'est ça qui permet de maintenir Ah! J'ai perdu le nom. Le short. C'est ce qui me permet de maintenir le short à ma taille. Mais du coup, ça le rend moins joli que ce qu'il devrait être, en fait. Voilà, c'est le seul bémol. Après, il est très beau, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Honnêtement, allez-y. Alors, par contre, Artisan, je trouve qu'ils sont plutôt chers dans leur patron, on va dire. On m'avait dit, ouais, petit patron, c'est cher, machin, 10 euros le patron. Le short, là, alors je pense qu'il y a un tissu avec, mais 24 balles quand même. 24 euros. Hein? Je voulais prendre leur pack pour faire le maillot de bain parce que j'avais craqué. Il était trop beau leur maillot de bain. Je suis arrivée sur le site, 90 euros. J'ai fait non, clairement, même s'il y a un tissu, maillot de bain et tout dedans. Non, 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 non. Je ne mets pas 90 euros dans une boîte artisanale. Après, vous, si vous l'avez fait, il n'y a pas de souci. Vous faites ce que vous voulez de votre argent. Mais moi, clairement, avec le maillot de bain Monroe, j'en ai eu pour même pas 10 euros, je crois. 10, 12 euros, un truc comme ça pour les deux. Voilà. Bref, on revient sur le short. Voilà, du coup, ben, je vais clairement vous montrer. Il y a un gros souci devant. Il a une trop grande taille, en fait. Donc, ben, je vais le refaire, oui, mais de taille en moins. Voilà, je vais refaire une toile avant.
Dans mon tissu, si j'ai assez de tissu de toile, j'en ferai un dans mon tissu de toile. J'en ferai un, mais vraiment une toile avant parce que je veux pas. En fait, j'aimerais le faire dans mon coton stretch, dans mon coton de sa mon satin de coton que j'ai acheté chez Benitex. Vous savez, le noir avec les fleurs de cerisier que je vous ai montré dans mon haul tissu d'avant. Donc, je vous invite à aller le voir. J'adore ce tissu, donc je ne veux pas le gâcher. Donc, du coup, je vais refaire une toile, je pense. Alors, lui est portable, hein. Il n'y a pas de souci, il est complètement portable. Je le porterai, enfin, c'est sûr, je vais le porter, il n'y a pas de souci. Peut-être pas, peut-être pas pour aller marcher pendant 30, 30, enfin, pendant 3 heures, quoi. Mais à la maison, quoi, il est portable, il n'y a pas de souci. Bref. Voilà. Et du coup, ouais, je referai une toile pour trouver ma bonne taille. Alors, moi, ce que vous saviez, enfin, vous sachiez où est le tableau des mesures sur Artesan. À ce moment-là, dites-le moi en commentaire et j'irai vérifier mes tailles. Même si ça m'étonnerait, mais enfin, ça m'étonnerait que je sois pas en 52, mais voilà. Écoutez, d'habitude, je suis tout le temps en 52, c'est pour ça que j'ai fait du 52. Sur toutes mes marques, quasiment, je suis en 52, à part les marques américaines parce que bah, elles étaient très grandes, donc je suis toujours plus bas, mais voilà. Voilà mes deux toiles qui sont complètement portables. On va pas se le cacher. Et du coup, je finis. C'est ma dernière cousette. Ah, ma robe. Ma robe Agatha. Alors, parlons-en de cette robe Agatha. Elle est très très jolie. Elle est très belle. Alors, je l'ai fait dans un jersey polyester. Très graphique. Hein, voilà. Comme vous pouvez le voir. Je l'adore, elle est sublime, elle tourne trop bien. Alors, j'ai eu un souci déjà quand j'ai fait le patron, quand j'ai assemblé le patron, quand j'ai vu la taille de la jupe, je me suis dit, il va y avoir un souci. Parce qu'en 52, parce que pareil, c'est du 52, et là, ça me va très bien. D'ailleurs, c'est de la marque Fibre Moon. Fibre Mood, du magazine Fibre Mood. Alors, je sais plus dans quel magazine elle apparaît. Par contre, moi, les Fibre Mood, du coup, j'achète tout sur leur site. Alors, au final, je suis perdante, vous allez me dire, mais je préfère acheter sur le site un ou deux modèles qui, je suis sûre, me plaisent, plutôt que d'acheter le magazine et de me retrouver avec peut-être 20 modèles, mais que j'en fasse que deux. Vous voyez, après, c'est ma manière de voir les choses. Voilà, les patrons sont pas excessifs, hein. Je crois que le patron, je l'ai payé 7 euros, un truc comme ça. Donc honnêtement, pour un patron de robe, c'est tranquille, hein. Et en plus, Fibre Mood fait souvent des promotions. Là, surtout pour les soldes, c'était 3 patrons achetés 15 euros, un truc comme ça. Donc honnêtement, vous auriez pu être... Enfin voilà, quoi, tranquille. Donc voilà, donc c'est une robe en colure V avec des manches papillons. Une ceinture et une robe, enfin une jupe longue, toute simple. Pour le coup, la jupe est toute simple. Par contre, quand j'ai vu la taille de la jupe, même pliée en deux, en fait, ça ne rentrait pas dans mon à l'aise. Donc j'ai fait, mais comment je fais en fait? Et du coup, j'ai demandé à la Glow Up Family si ils avaient une solution, parce que je ne voyais pas comment faire pour la faire rentrer dans le droit fil sans qu'elle déborde de chaque côté du tissu. pardon. Et en fait, vous m'avez répondu, vous avez été plusieurs à me donner des solutions différentes. Et j'ai opté pour la solution de raccourcir la jupe, tant pis, en me disant, bah, soit on m'avait dit, bah, rogne un peu sur le côté, elle aura moins d'ampleur, mais voilà. Et en fait, bah, j'ai réfléchi et je me suis dit, bah, moins d'ampleur, ça m'embête. Je préfère qu'elle garde son ampleur. Et qu'elle tourne bien, parce que c'est ça que moi qui me plaisait dans la Agatha, c'est qu'elle tourne énormément et qu'en fait je me retrouve à la voir plus petite, vous voyez, plus courte. Parce que comme je suis petite, en plus, les robes longues, des fois, ça me tasse. Et en fait, parce qu'elle est censée arriver au-dessus de la cheville, à peu près un peu à mi-mollet, on va dire à mi-mollet pour les grandes personnes, on va dire. Donc, du coup, je l'ai réduite. Et je l'ai réduite jusqu'à ce qu'elle rentre pile. Que la moitié, en fait, une fois qu'elle est pliée en deux, qu'elle rentre pile dans la longueur de mon à l'aise. Ce qui fait que j'ai quand même retiré presque 15 cm de la jupe.
en bas. Voilà. Donc je m'étais dit, putain, bah, elle est trop courte, ça va pas être possible et tout. Donc je couds le truc. Et puis vous allez voir qu'au final, elle m'arrive mi-mollet. Voilà. Donc au final, je l'ai réduit pour qu'elle soit juste à ma taille. Voilà, tout simplement. En gros, je suis tellement petite que bah, elle aurait traîné par terre et tout ça. Donc bah, tant mieux. Voilà. Après, je me dis, par contre, si vous faites du 52 et que vous êtes très grande en taille, mais comment vous faites pour rentrer la jupe en fait? C'est ça que je me dis. Les gars, qu'on soit du 52 au niveau de la taille, du haut c'est normal, mais au niveau du bas ça devrait être moins en fait. Bref, je ne sais pas. En tout cas, j'ai trouvé une solution. J'ai ma Agatha, elle est trop belle, j'en suis trop contente. Et du coup, celle-ci part avec moi pour les vacances, c'est sûr. On m'avait prévenu, on m'avait dit oui, par contre, tu verras. Alors moi, en plus, j'ai oublié de thermocoller la parementure. Sauf que bah du coup ce que j'ai fait, comme le tissu est très très fluide, j'ai juste pris mon thermocollant double face et j'ai thermocollé la parementure sur tout le côté en fait. Enfin voilà, je me suis pas embêtée. Elle tient très bien du coup, ça l'a rigidifiée carrément et ça prend bien le V. Alors on m'avait dit oui, par contre il est très, fais gaffe, le décolleté est très décolleté. C'est justement ce qui m'avait plu aussi sur cette robe. Après, oui, en effet, il est très très décolleté. Mais j'aime bien comme ça. Vous allez me dire, il aime bien comme ça. Oui, j'aime bien comme ça. Voilà, j'ai de la poitrine. J'aime bien la mettre en valeur. On voit un peu le soutien-gorge. Honnêtement, ça ne dérange que moi. Enfin, ça ne pose pas de problème pour moi. Si ça dérange quelqu'un, ben, j'en suis désolée pour lui. Mais moi, ça ne me dérange pas. Et voilà, et puis on peut toujours trouver une solution, en même temps une petite brassière noire par exemple à dentelle, ou voilà, que ça soit pas non plus trop choquant. Ou alors la porter carrément sans soutien-gorge si vous avez, ou les soutiens-gorge très plongeants là, qu'ils ont fait exprès. Mais voilà, si vous avez un tissu un peu plus épais, parce que moi sans soutien-gorge, celui-là est vraiment très fin, donc voilà. Mais j'en suis très contente, il me va très bien et voilà, j'en suis très très contente. Ça se voit que je suis contente? Je pense que ça se voit. Du coup, voilà. Alors, maintenant, on va passer à mes encours. Alors, mes encours, j'ai. Je vérifie si j'ai tout, si je vous ai tout présenté, mais normalement, oui. Oui, j'ai tout présenté. Ok. Du coup, mes encours. Alors, j'ai des tops Ségur en viscose. Les mêmes que le blanc, le noir, j'en ai un en bordeaux. Voilà, j'ai tout dit sur le top Ségur, je pense. J'espère juste trouver une solution. Alors, je m'étais dit peut-être à le reprendre, maintenant qu'ils sont coupés, à l'assembler, mais à le reprendre petit à petit sur mon mannequin, sur Rosie, qui est juste là, voilà. Sur Rosie et assembler pour dire qu'il y ait le moins d'embûches possible. On verra. Clairement, on verra. J'en ai fait un, là, j'en ai un qui est en cours, en satin. En satin de toucher soie. Voilà. Donc, j'ai agrandi, comme vous pouvez le voir, les pinces. Voilà. Et j'ai toujours fait. Par exemple, pour celui-là, vous voyez, l'amphore était clairement. On voit tout à travers. Vous voyez, on voit tout. Alors que là, du coup, avec l'amphore, on voit un peu moins. Enfin, avec l'amphore. Il est très joli, il est très beau, honnêtement, il est sublime. Il est sublime et tout doux. Donc j'ai vraiment hâte de le porter. Mais ça m'a vraiment m'embêter s'il y a cet effet d'embût encore. Enfin, que je vois. Mais j'ai que l'ourlet, il me reste plus que l'ourlet du bas en fait à faire. D'ailleurs, en parlant des ourlets du bas, j'ai appris à utiliser l'ourlet rouloté. Alors là, c'est pas le plus parfait parce que j'en ai chié pour celui-là. C'était mon premier, donc voilà. Mais après, je les maîtrise de plus en plus. Et du coup, j'en fais de plus en plus aussi. Il faudrait d'ailleurs que je m'achète d'autres pieds parce que le mien est tout petit, tout fin, donc c'est pas forcément joli. Mais voilà, faut que je gère tout ça. Bref, voilà. Donc j'ai encore trois tops Ségur à faire, un en soie rouge et deux en viscose, un en blanc, un en rouge bordeaux. J'ai des nuisettes top Ségur, donc j'avais agrandi le top pour faire des nuisettes. Mais bon, ça au pire, s'il y a de l'embût,
Bon, fou, en fait, c'est pour dormir, c'est pas non plus. Voilà. Voilà, et j'ai la robe Charlotte sans volant. En fait, j'avais pas assez de tissu pour faire les volants. Donc, j'ai coupé la robe et j'ai pas mis les volants, tant pis. C'est ce que j'aimais dans la robe Charlotte. Mais bon, je voulais un truc cache-cœur, donc voilà. Mais au final, je pense pas que je vais la faire tout de suite parce qu'elle est très longue à faire. Et là, j'ai pas vraiment le temps. Donc voilà, c'est un peu tout ce qui me reste. Et si j'ai toujours les bras de Rosie à faire, j'ai toujours pas trouvé le courage de thermocoller les bras parce qu'il fait trop chaud. C'est triste quand même, c'est vraiment triste. Voilà, donc ça sera tout pour ce podcast. Il fait presque 1 heure, donc je pense que c'est pas trop mal. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, tout ça, vous avez l'habitude. Activez la cloche, pensez-y, parce que comme ça, vous êtes alerté quand je sors une nouvelle vidéo. Et sur ce, bah, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes en vacances, si vous avez fait des coutures de vacances, ou si vous êtes parti en vacances, enfin bref, ou si vous travaillez, bah, bon courage à vous. Parce qu'avec ces chaleurs, je ne sais pas comment vous faites. Mais voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.